Animal Biologique Barinage. Et bonjour à tous et à tous, c'est Greg TagLife972 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les gens de Zelda Ocarina of Time. Aujourd'hui on fait une vidéo pour un bot. Wow! Comment jouer avec les lags avant un bot? C'est tellement facile. Ok, première phase terminée. Oh non, deuxième phase terminée. Première phase. Par contre, t'es sympa, mais... En fait, le but c'est de tuer son épée. Mais quand il tourne, il y a ses trucs électriques. Ok, c'est pas ça, j'ai utilisé. Genre... Vite, merci. En fait, c'est une petite rotation. Toutes ces méduses avec ce lag, mais impossible. Attends, c'est quoi? Wow! Oh le skill est là! Oh mon dieu! Ok, là, le lag revient là. Finish it! Step shot! Look at the ball! Voilà. Comment terminer un boss en moins de 4 minutes. Non, 5 minutes. Et donne-moi ce cœur, putain. Ah, mon dieu, je suis fatigué. Non, je déconne. Ok, go.
Vous obtenez un cœur d'énergie. Votre maximum d'énergie augmente d'un cœur, votre énergie est restaurée. Ok, ma gueule. Yeah. Et la sortie se trouve où? Et... Elle fout quoi ici, là? Voilà, meuf. Attends, je fais une sauvegarde. Attends, je fais une sauvegarde rapide et j'arrive. Parce qu'on va se faire la kamikaze. Et c'est parti, ma gueule. Donc, sortons la fameuse bombe. On va le mettre un peu en spi. Putain, j'ai pas fait vite, sérieux. Toi, t'es en retard, je t'attendais depuis une heure. En fait, ça fait depuis 5 minutes. Tu es nul. Je me sentais seul, c'est tout. Juste un peu. Oser. What's up? Yo! Oh là là. Toi? C'est cool, plus que cool. Plus cool que je le pensais. Enfin, juste un peu. Tu m'as sauvé, je dois donc te récompenser. Que veux-tu de moi? Je t'écoute. La pierre ancestrale? Ne sois pas timide. Je sais à quoi tu penses. Ma mère me l'a transmis et je ne le donnerai qu'à mon futur mari. C'est une bague de fiançailles. Il ouvre le trou alors. Bon, ok. Je te donne mon bien plus précieux. Le saphir. Oh mon Dieu. Vous recevez le saphir d'Aura, cette pierre ancestrale de l'eau vous est confiée par les Aura. Son bien le plus précieux, vous ne savez pas de quoi elle parlait, mais vous avez les trois pierres ancestrales. Allez voir Zelda. Il est compresto. Ne dis pas père. What's up, bitches? Donc en fait, on va aller là-bas maintenant, quand on a fini le ventre de jamais eu. J'ai dit que je ne terminerai pas ce let's play à 100%, parce que j'ai la peine de prendre tout ce que tu l'as vu. Et on va faire ça. Elle passe. Depuis tout le long du jeu, on est toujours l'ocarina, c'est abusé. Berce de Zelda, c'est la berce de Zelda. Ok, rien à faire. Liu, t'as dirait la dame, elle est en train de pleurer, quoi. Non, je deviens fou. Bienvenue, Crectoglet FC2, je suis la divine fée des enchantements. Ah bon? Je t'offre un sortilège, utilise avec soin. Ah,
Oh, de la drogue! Oh, de la cocaïne! Yay! Oh, mon cœur. Vous recevez le roi de faveur. Ce sortilège vous permet de vous téléporter en utilisant ses... En invoquant ce sort, vous pouvez créer un puits, vous rendre dans un téléporteur. En utilisant la magie d'une seconde fois, vous aurez le choix entre vous téléporter ou annuler le téléporteur. Souviens-toi, le vent de faveur, ne fonctionne que dans les donjons, possédant une carte. Si la bataille un jour depuis, j'appellerai tes blessures. Oh mon dieu. YOLO. Allez. Enfoiré, va. On se barre à la kamikaze. On va faire exploser le donjon. Non, je déconne. Fontaine de jour. Donc, le projet d'aujourd'hui, c'est d'aller déposer... Enfin, aller voir Zelda pour donner les pierres en ce soir. Aux œufs de tout ça. Un jour, ce qu'on aura besoin. Bon, ok, Osef. Vous avez vu le... Jabu, il est si petit que le donjon lui-même est grand, quoi. Ça bouge. Oh. Oh. La glisse de life. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis en train de me noyer. XD. Non, je dégage. Pourquoi il n'y a pas marqué le message? Par contre, ça reprend, ça s'arrête à 45-44. Vite, je n'ai plus d'air. Please. Ouais, en fait, ça recommence bien à zéro. Donc. Wesh Tug Life. Donc non, ça reconnaît bien à 48. Tiens, comme t'as bien bouffé, je te balance ça. Allez. Salut les noobs. Hop. Là. Domaine Zora. Osez. YOLO. Oh merde. Fail. L'œil de cette statue perce les mystères de votre esprit. Oh, yeah. Oh, c'est quoi ce coup de bac? Quoi, Ozé? Allez, on fait la pancarte en 4. Non, j'ai quand même quoi. Petit saut, magnifique. Vous êtes pauvre, vous n'avez pas le rubis, mais vous aimez rester dans le domaine Zora? Voici la solution. Au pauvre, hein, bien sûr. Mais je n'ai pas le temps, je vais vous la présenter un autre jour. Quand c'est un peu plus vite, hein. Donc vous allez là et quand vous ferez la taille à 10, vous reverrez à 10 réduits dans la voie.
Et on se casse, on va se faire emporter par le fleuve, magnifique. Quand je dis que t'as gagné des rubis, c'est vraiment gagné des rubis, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais bien sûr, comme moi je suis un gros sale thug. Reviens là! Il est parti en train de faire là. What? What the fuck? Ah d'accord, je vais pas. J'ai même pas donné des dégâts. Oh les. C'est la bataille des poulets! Revanche! Et salut, je me casse! Résultat de la game, vous avez perdu 2 cœurs et vous avez réussi à ne pas faire de dégâts à la poule alors que vous avez fait l'attaque tourbillon. XPTDR. Donc on se casse. Électribio. Ça vous étonne, j'avoue. Comment peut-on faire de l'électrique bio? À part faire tourner les machines nous-mêmes, mais bon, non, mais sérieusement, comment on fait? À part la nature, mais bien sûr, comment on fait, en fait? Je sais pas la question. Même si la nature, c'est mieux. Cinématique! Oh, c'est que chapeau. Toi là, mon front. Un destrier blanc vient de passer il y a un instant. Par où essaie-t-il de s'enfuir? Réponds!
Tu crois que ton silence les protégera, jeune impudent? Ha! 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 Tu cherches le contact. Bonne blague. Tu es brave, mes sottes. En vrai, c'est le truc de Nestlé XT. Je veux toujours penser à ça. Fireball! Insecte ridicule, sais-tu bien qui je suis? Je suis Ganondorf, et sous peu le monde sera mien. Joseph. Bon les gens, vous étiez témoins qui faisait nuit, hein. Mais bon. En fait, il fait jour. La température de la moitié. Trois, deux, un, get rect. Vous trouvez le carénage du temps, ce trésor de la famille royale, et vous est confié par la princesse Zelda. Greg de Glyph 972, m'entends-tu? C'est moi, Zelda. Greg de Glyph, quand tu trouveras cette ocarina, je serai déjà si loin. Malgré mes efforts, je n'ai pas pu retarder ma fuite. Je peux t'offrir que cette ocarina ainsi que cette mélodie. Le chant ouvre la porte du temps. Droite à bas. Droite, à bas, à droite. Vous jouez le chant du temps. Oh yeah. Vous apprenez le chant du temps. Joli écran blanc. Va, Greg de Glyph 972. Entendre ce chant devant l'autel du temple du temps, tu dois protéger la Triforce. Vous savez que Link l'a enlevé. On ne dirait pas, mais on a un peu l'enlevé. Non. Non! On s'est arrêté à où, Loud? Sérieusement! Oh punaise. Bon, ellipse. Donc, finalement, je parviens avec une petite ellipse à venir au marché de Clignancourt. Et c'est parti. Bonjour l'FPS. Ok, Osef. Ok, salut. Coulette.
Kalachnikov. J'espère que tu pourrais voir. Le trophée que je devrais l'avoir depuis bien longtemps. Perso, donc on continue à avancer. Il me reste deux bombes. Enfin, il me reste deux bombes. Fontaine royale des feux. La berceuse de Zelda. Joystick. Bienvenue, YTGLF972, je suis la divine fée des enchantements. Bon, sinon, vous avez compris, hein. Du testab. J'aurais pu aller depuis le début. Vous avez le feu dedans. Appuyez sur C pour invoquer une puissante aura de feu destructrice. Le feu dedans consumera tes ennemis et certains obstacles. Si les batailles un jour depuis, j'apprécierai tes blessures. Hasta la vista, baby. Oui, donc aux F en fait. Donc on se taille. LOL la marche. J'avais une bombe. Eh le mioche, viens par là. Bouffon. Noob. C'est bon. Bon, je vais marcher de Kunyoko. Le j'y kiffe le seul dans un warbling. Dégage, petit chien. Bon. Tu vas pas toucher encore.
Bon les gens, c'est sur cet épisode qu'on va se laisser. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager. Quand plus du temps. À commenter, à liker. Et de t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que je suis un peu fatigué. Non, je déconne, je vais faire un truc. Et on se retrouve à la prochaine. Navi dégage. Allez, salut. Putain, t'as pas compris, toi, en fait.